Hé, hey, capitaine, comment s'appelle ce patelin? Puerto Miguel. C'est une ville morte? Non, endormie. Quand le soleil se couche, les gens se lèvent. Ils appellent ça la sieste. Ça veut dire qu'on va siester ici pendant 3 ou 4 semaines? 4, 5 ou 6. Autant que ça pour réparer une machine? C'est pas moi le mécanicien. Je n'ai pas construit ce vapeur. Je le commande, c'est tout. Une petite minute, capitaine. Tous les enfants de leur mère ramassent l'or à pleine poignée en Californie. Et moi, je perds mon temps dans un village mexicain appelé... Quel est le nom déjà? Puerto Miguel. Puerto Miguel. Il n'y a rien à faire, je suppose. Non, rien. Alors le mieux, sans doute, c'est d'aller prendre un verre. Et pourquoi pas, mon Dieu? Voilà ce qu'il nous faut. Tu sais, c'est plutôt curieux. Je connais tout le monde à bord de ce bateau, excepté toi. Je ne sais rien de toi, t'es un vrai mystère. Je sais que tu t'appelles Hooker, un point, c'est tout. C'est tout. Et le petit pense qu'il t'a rencontré au Texas, mais il ne se souvient pas comment. Ça devait être sans importance. Et même si ça avait de l'importance, ça ne me regarderait pas, c'est bien ça. Effectivement. Vois-tu, mon vieux, moi qui suis un joueur professionnel, j'aime bien savoir qui j'ai en face de moi, parce qu'on pourrait faire une petite partie. C'est pour ça que je pose tant de questions. C'est naturel. Mais je suis aussi un peu poète. Et je m'intéresse à pas mal de gens dans la vie. Ça tient debout, ça? J'aime savoir ce que je peux en tirer, que ce soit de leur poche ou bien de leur cervelle. Ou des deux. Et t'as entendu dire que la carpe était pas expansive, hein? Oui. Ben, la carpe est bavarde à côté de toi. No, no me dejes, no, no me dejes, me has jurado eterno amor, amante mío. Amante mío, responde aquí. No, no me dejes apasionada. Amante mío, responde aquí. Amante mío, responde aquí. Amante mío, responde aquí. No, no me dejes apasionada. Amante mío, responde. Hace mucho calor, ¿verdad? Deux verres. ¿Eh? Deux verres. ¿Qué hay que tomar? Solamente vino y mezcal, señor. Dos mezcales. On ne peut pas dire que je sois verni. Je sais parler deux langues couramment et je suis coincé dans un bled où on ne parle ni l'une ni l'autre. Antonio, toca o no? J'ai constaté que les jolies femmes parlent la même langue partout à travers le monde. Et des laides, quelle langue parle-t-elle? Je ne les écoute jamais. Aussi mauvais que je le prévoyais, c'est pire. Quelqu'un a dit un jour, faut jamais croire ce qu'une femme raconte, mais faut croire tout ce qu'elle chante. Qui a dit ça? Moi. Yo quiero que pese.
veces más. Yo quiero. Te voy a enseñar a respetar. No, mi jefe, yo no le hice nada. Yo nomás la estoy oyendo cantar. Qui lui prend à cette terreur. Quiero explicarles el motivo de mi enojo. No me gusta que nadie moleste a la señorita. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il n'a pas aimé la façon dont Steve a regardé son ami. Comprendemos muy bien, señor. Gracias. Con permiso. Préviens qu'on veut vivre en paix avec ces gens-là. On peut rester ici un bon moment. Je sais comment me tenir. J'en suis certain. Quoi, tu ne me crois pas? Il vient de dire qu'il en est certain. Du calme, Deli. Ce ne sera peut-être pas aussi désagréable que tu le crois. On pourra pêcher le matin, se saouler l'après-midi, et toi et moi faire une partie de cartes le soir. Tu peux même avoir de la chance. Ouais, la chance de te donner tout mon pognon. Fisk, je vais te dire ce que tu peux me faire avec un jeu de cartes. Oui, oui, dis-le-moi. Tu peux me dire la bonne aventure. Tout ce que tu voudras. La dame de cœur. Ça, ça veut dire... Ben ça, mon petit vieux. Seigneur. Mi esposo quiere atrancar en nuestra mina. Había mi tumba y está muy herido. Hey, dis-moi, Oker, qu'est-ce qu'elle leur raconte? Elle a une mine au fin fond de ce pays et son mari est coincé dans un éboulement. Elle voudrait un coup de main. Elle paiera 1000 dollars par homme. Oh, il n'y a pas un seul homme au bar. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez compris? Il vient de nous le dire. Je leur ai offert 1000 dollars chacun. Je double l'offre si l'un d'entre vous veut me donner un coup de main. Un blessé est coincé là-bas, mourant peut-être. Un Américain. Si mon prix n'est pas suffisant... Oh, le prix nous va. Mais pourquoi offrir tant? Offre-t-on jamais trop pour la vie d'un homme? Ce n'est pas moi qui ai fixé le prix, madame, c'est vous. Je ne sais vraiment pas quoi faire, ni quoi dire. Il faut que je lui porte secours, sinon il mourra. Mais voyons, vous ne voulez pas vous asseoir? Dites, pourquoi aucun d'entre eux ne veut y aller, pas même à ce prix-là? Ils ont peur, aucun d'entre eux n'ira jamais, ils ont peur des Indiens. Et vous? Vous n'avez pas l'air d'avoir peur? Madame, la chose dont j'ai peur, on ne l'a pas encore trouvée. Ninguno quiere ir porque nadie regresa. Algunos como ellos van atraídos por el oro. Iré con usted. Todo saldrá bien. Gracias. Il dit que seuls les fous et les idiots vont là-bas, et qu'il est l'un et l'autre. Il va l'accompagner. Vous avez bien dit 2000 dollars. C'est déjà dans votre poche. D'accord, j'y vais. Il y a 2000 dollars également pour chacun de vous. Vous? Madame, je peux vivre n'importe où dans le monde pendant 6 semaines. Mais pas dans ce bled et tout seul. Venez me retrouver d'ici 1 heure devant chez le forgeron. J'aimerais que l'un de vous vienne avec moi maintenant. Vous. Perdu? Non. Nous allons passer le long de cette corniche.
Mister, mister, mira esto también. Es un mensaje de los apaches. ¿Y qué dice? Es el signo de la muerte que ellos usan. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des indiens quelque part, ils ont laissé un message. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est de l'apache. Et quoi encore? Ah ben c'est suffisant. Pour leur tour, il n'y a pas un autre chemin? Pas à ma connaissance. C'est gai. Où avez-vous dégoté ce bled? Sur un plan que m'a donné un prêtre à Sacramento. Il nous a mis en garde. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Prier. Une raison un peu meilleure que la nôtre, n'est-ce pas? Vicente marque la piste. Oui. Tu crois qu'il a l'intention de refaire le voyage? Il veut peut-être seulement revenir de celui-ci. Qu'est-ce qui vous a conduit à Puerto Miguel? Pour trouver de l'or, nous avons fait le tour du Cap Horn. Le bateau a eu une panne et on est entré dans le port. Vous y alliez ensemble? Non. Vous ne vous connaissez pas, alors? Pas plus que vous nous connaissez. Regarde-là. C'est l'idée d'emmener quatre types comme nous à une montagne d'or. Elle n'avait pas grand choix. Oui, c'est vrai. La barrique était vide, elle a dû racler le fond.
On est encore loin de la mine? À quelques jours. Je me demande comment elle se souvient du chemin. Elle a peut-être une bonne mémoire. Non, Kerr, non. Non, elle a un petit plan. Une carte qu'elle sort quelquefois. Elle la déplie et puis elle l'arrange très soigneusement. Quand elle croit que personne regarde. Mais tu regardais? Toujours. Hé! Hey. Tu as vu ça? Bientôt, tu vas faire exactement comme ce cheval. Tu lui mangeras dans la main. Ce n'est peut-être pas à cause de la femme, c'est peut-être à cause du sucre. Ah. Pas toi, Adélie. Moi, j'ai une raison bien meilleure. Est-ce que tu me donnerais des ordres? Cette fois seulement? Pas même cette fois, Hooker. Personne ne m'a jamais donné d'ordre. Très bien, cette fois je ne te donne pas d'ordre, je te le demande. Il me plaît pas beaucoup, ce type. Je dois dire qu'il me plaît pas du tout, même, si tu me comprends. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple à comprendre. Et je suis pas certain que tu me plaises toi non plus. Hé, hey, je te parle! Ne me tourne pas le dos! Tu as raison, Lily. Faut pas tourner le dos à un type comme toi. Si on ne tient pas à avoir de pépins, naturellement. Mais vois-tu, je suis un homme à part. Je m'en fous. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, Hooker? Si vous voulez savoir où vous êtes et où vous allez, venez me trouver. Et vous pouvez le dire aussi aux autres. Vous pouvez leur dire que sans moi, ils ne sont nulle part. Sans moi, ils sont perdus. Et quand on est perdu dans ce pays, mon ami, on est mort. Alors cette arme ne vous sert à rien. Vous m'avez un peu sous-estimé, Hooker. Ne faites pas ça. En effet, vaut mieux pas. Ça avait l'air d'une bonne affaire, n'est-ce pas? Ça semblait tenir du miracle, une femme dans l'embarras vous conduisant à une mine d'or, dans une région où personne ne va et où n'importe quoi peut se passer. Continuez. Vous imaginiez que j'ai cru que vous faisiez ça uniquement pour sauver la vie d'un homme? Une misérable petite chose comme la vie d'un homme? Tandis que vous? Vous ne le croyez pas. Si, je le crois. Je crois que n'importe qui ferait n'importe quoi pour sauver un homme en danger. Surtout si l'homme est dans une mine d'or. Avant de devenir un idiot qui cherche de l'or, qu'est-ce que tu étais? Un idiot qui n'en a pas. Il pose toujours des jalons dans le paysage? Il le grave dans sa mémoire. Et toi? Est-ce qu'il sait ce qu'elle a fait de ces marques de piste? Ça m'étonnerait. Ha ha ha! Ha ha ha!
Fatigable. On l'a forgée dans un bloc d'argent, cette femme-là. Et toi, t'es découpé dans du cuir. Vicente, une vraie roche volcanique. De quoi es-tu fait, toi? De mots et de chair. Je crois que je suis le seul être humain de l'équipe. Elle est humaine. À quoi vois-tu ça? À ce qui la pousse à agir. Et c'est quoi? Cet homme dans les mines. C'est à cause de lui que chaque mètre et chaque heure sont précieux. Toi, on te croirait presque humain, toi aussi. Nous camperons ici pour la nuit. Des vieux de quelques heures. Une sorte de cérémonie, un rituel. Qui était-ce? Des Apaches. C'était la nouvelle lune cette nuit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un mois assez particulier pour eux. Ils l'appellent la nuit de l'homme blanc. Comment savez-vous ça? Il sait tout, laissez-le parler. Ça date de l'époque où ils ont liquidé tous les comptoirs des blancs, comme celui-ci. Vous savez, dans ce saloon, 2000 dollars, ça avait l'air d'un gros paquet. Mais ici, ça diminue rapidement. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Ce n'est qu'une vieille légende recueillie chez ce prêtre de Puerto Miguel. Mais il est venu ici. Voilà son église. Dites, vous croyez qu'ils s'intéressent à nous? Ils ont tué ceux qui ont pris la terre et qui ont bâti dessus, qui ont fondé des foyers, des pauvres gens qui pensaient rester. Mais des blancs comme nous qui ne viennent que pour cette saleté jaune et puis qui fichent le camp avec, vous croyez que nous valons d'être tués? C'était peut-être vrai quand vous n'étiez que vous deux, un homme et sa femme. Mais maintenant... Écoutez-moi bien, écoutez tous. Je vous ai engagé pour sauver la vie d'un homme. Ce ne sera peut-être pas facile, ce sera peut-être un peu dangereux. C'est pour ça que je vous paie bien. Maintenant, si la vie d'un homme ne vaut pas un supplément de risque, dites-moi combien ça me coûtera. Allez-y. Dites-moi combien en plus. Qu'est-ce qui la démange? Oh, elle est fatiguée. Faisons du café.
Elle t'a remis gentiment à ta place. Pas que moi. Tu sais, au début, j'ai cru que c'était une de ces femmes comme on en rencontre parfois et qui fascinent les hommes sans rien faire pour ça. Sans même savoir pourquoi. Et maintenant? Elle sait bien ce qu'elle fait et elle sait pourquoi. Dis, parle-moi encore un peu de cette lune de l'homme blanc. Eh bien, c'est une sorte d'ouverture de chasse. Qui est le gibier? Toi et moi. Que voulez-vous? Eh bien, à propos de ce que vous disiez, laissez tomber et filer avec le pognon et tout. Vous ne parliez pas pour moi, hein? Parce que je ne suis pas venu pour ça, moi. Eux, oui, mais pas moi, non. C'est tout ce qu'ils cherchent, mais pas moi. Oh, puis n'en ayez pas peur parce que je les surveille, moi. Je suis avec vous, Léa. Léa, je sais ce qui se mijote, mais je ne suis pas avec eux, je suis avec vous. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, ni autre chose, c'est simplement vous, Léa. Vous savez pourquoi. Tirez vos mains. Léa. Léa. Espèce de petite brute. La chérie. Voyons. Coucher. On a assez d'ennuis sans que tu te mettes à jouer les satyres. C'est tout. C'est tout. Tu crois ça? C'est compris. Et si je disais que ce n'est pas tout? Oui, si je le disais, hein? Dis ce que tu veux. Très bien. Je vais parler, moi. Oui, je te crois que je vais parler. Je vais dire que j'en ai plein le dos de toi au Caire.
Et je vais le dire de façon que tu comprennes bien. Fous ça en l'air, Daly. J'en ai tué de plus dur que toi, rien que pour gagner ma vie. Oui, je sais qui tu es. Tu tuais ce dont la tête était mise à prix. Quand on ne pouvait rien faire d'autre que de te donner la récompense promise. Tu les tuais à table ou dans leur lit. Là où ils avaient les yeux fermés ou le dos tourné. Je sais qui tu es. Je vais te donner l'occasion de te racheter. Je vais t'obliger à abattre un homme de face. Je t'aurais prévenu, Hooker. Je t'aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Ah! Ah! Ça suffit. C'est votre faute. Pas celle de Daly ou de moi. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Je sais très bien ce que je dis. Et vous aussi. Mais si vous voulez qu'on parte demain, il vaut mieux vous reposer. Allez. Débarbouille-toi. Ça n'a pas d'importance. Tu viens de te conduire comme un imbécile. Ne va pas t'imaginer que ce n'est arrivé à personne. À nous tous. Seulement, tu n'avais pas compris. Elle n'a qu'une seule chose en tête. Cet homme, là-bas. Rien d'autre. Maintenant, tu sais. Pourquoi ne pas me tuer sans plus? J'ai besoin de toi. Oh, tu n'as besoin de personne, Hooker. Tu n'as besoin d'aucun de nous. Ça viendra. On aura tous besoin l'un de l'autre. Allez, ça va. Va dormir. Ça, tu as tout réglé, hein? Ça durera un moment. Tu vois comme ça se passe. Elle t'a amené à te battre pour son honneur. À affronter à main nue un revolver que tenait un type qu'elle a rendu idiot. Un gosse. C'était un geste héroïque. J'ai admiré ça énormément. Elle aussi, j'en suis sûr. Un jour, comme Salomé, elle te forcera à lui apporter la tête de ce Vicente et dans la poêle à frire. Ou la tienne. Non, non, pas la mienne, Hooker. La mienne t'appartient. Et tu connais le dicton. Quel est le dicton? Deux têtes valent mieux qu'une.
Prends-en une. Prenez-la. ¿La tienes? Sí. Sí. Hágalo otra vez, por favor. ¿Qué es que dice? Yo quiero que tú recommences. Ah, vale, ya. Coupe. Coupe. Oh, sí. Allez, coupe. Est-ce que c'est encore loin? On y sera demain. En allant à cheval toute la nuit, on arrivera le matin. Et à quoi iraient les chevaux? Vous ne voulez pas me parler de lui? Vous parlez de lui? Pour en dire quoi? N'importe quoi. Il est ingénieur des mines. On prospectait en Californie et on a obtenu un plan d'un vieux prêtre. Un plan de cette région. D'ici même. C'était une ville prospère. Un volcan l'a enseveli complètement. La lave n'a épargné qu'un clocher d'église et une mine d'or. En 3 heures, ils ont perdu la moitié de Dieu et presque tout l'or. Ils n'y sont jamais revenus? Non, ils avaient peur. Des Indiens? Oui, après l'éruption, la ville est devenue sacrée pour les Indiens. Un lieu où vivent les démons. Mais vous, vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Et vous? Moi, je crois aux Indiens. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina larga senda. La voilà. La ville est enfouie sous la lave du volcan. Et la mine est sur l'autre versant. Allons-y. Il faudrait du bois de mine pour soutenir ça. Allez en chercher. Delhi, trae un navega. No hace falta, mister.
Vicente, aguante eso y más. Ahora verá. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Víctor! ¡Cáquelo! Espera un poco, buscamos otra vena. ¡No hace falta, Víctor! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Vámonos! No iba a saber cómo se... Gracias. De nada, señora. Et voilà. Soulève l'autre bout. Un instant. Servez-vous de ça. Ça va. Attention, soulevant sa jambe. Soulevons-le. Soulevez-le. Attention. Ah, on est tête. Fais en arrière. Mets-le en avant. Allons-y. Parfait. Michel, prends l'autre côté. Ah, on cuidado, que non, il y en a. Portez-le à la maison. Il a une jambe cassée. Je vais tâcher de la remettre en place tant qu'il est évanoui. Je vais vous aider. Emmène-la. Allons, venez. Vicente, ce cuchillo. Aquí lo tiene. Gracias. Allez à la pierna. Con cuidado. Ahora. N'y allez pas. Dígale a la señora que venga. Señora, ya puede entrar. Oh, je... Ne parle pas. Ne sais pas. Je... Tout ira bien. Oh. Oh. C'est étouffant. Je tirais dessus sans arrêt. Je me manquais chaque fois. Ne parle pas maintenant. Je... Tu es revenu. Je suis là. Tu vas guérir. Il va guérir, n'est-ce pas? Il va se rétablir. Il a une jambe cassée. C'est très grave. Je n'en sais rien. Il vivra. Pour lui donner du café chaud et de la soupe. Et faites chauffer de l'eau pour le laver.
C'est grave, sa jambe? Je n'en sais rien. Il tiendra seul? Peut-être, quand il aura repris des forces. Et s'il ne peut pas? Alors il faudra le porter sur une civière, s'il veut venir. Qu'est-ce que ça veut dire, si? Il se peut qu'il reste, il a des vivres. Il devait rester. Ah. Où est Deli? Il est dans la mine. Il se traîne à quatre pattes arrachant l'or des murs. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de tout voler en un jour, qu'on restait ici quelque temps. Il est redevenu fou. D'abord, c'était la femme, maintenant, c'est l'or. Il tient à avoir l'une ou l'autre, quitte à y laisser sa peau. Il y a des chances. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une source là-bas, je vais me débarbouiller. Il s'est endormi. Qui est-ce? Il est venu avec moi pour essayer de te sauver. Il a soigné ta jambe. C'est grave. Je n'en sais rien. Je veux bien voir. Reste couché. Je t'ai fait de la soupe et du café. Je vais les chercher. Vaut mieux rester tranquille pour le moment, Fuller. Où as-tu trouvé cet homme? À Puerto Miguel. Tiens, bois ça. Alors tu l'as trouvé. Comme ça, hein? Comme ça, tu l'as trouvé. Oui, comme ça. Une femme comme Léa, faire tout le trajet jusqu'à Miguel, et puis revenir pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Je n'ai pas à me rendre compte. Eh ben moi, si. Des jours et des nuits passés dans ce trou noir à me rendre compte. Mais j'avais le temps pour penser. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Léa? À toi et moi. Et je me disais en moi-même, oui, elle reviendra, bien sûr. Elle reviendra, bien sûr, mais pas pour toi. Et c'est alors que j'ai compris que rien n'a été pour moi. Depuis le commencement jusqu'à la fin, dans ce trou infect au fond de la terre. Et j'ai compris à quel point j'étais un idiot d'y être. Et qui m'avait rendu idiot? Et pourquoi? Et c'était l'or, Léa. Jamais rien d'autre que ça. Je t'aimais comme un fou. Pouvais-je m'imaginer que tu n'as jamais vu en moi qu'un homme qui risque sa vie, qui rampe, qui creuse? C'est tout ce que je représente pour toi. Une pelle et une pioche pour te ramener de l'or. Oui, je voulais de l'or.
Je voulais tout ce que l'or permet de s'offrir. Comme tout le monde, quoi. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Tenez, prenez. Pourquoi? Vous voulez vivre, n'est-ce pas? J'en sais rien. Buvez ça, Fuller. Vous tombez aussi dans le panneau. C'est vous et le prochain. Vous prenez ma suite. Je ne prends la suite de personne. Vous croyez que je me trompe? Je suis devenu fou. Je crois que vous parlez trop. Au moins, vous n'aurez pas à vous occuper de moi. Je vais essayer. Parce qu'on s'est déjà occupé de moi. Comment ça? De moi, d'elle et de vous tous. Dans les montagnes, là-haut, ils sont des centaines partout. Ils sont venus à l'entrée de cette mine. Ils sont restés là à me regarder de près. Vous savez pourquoi ils m'ont pas tué? Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose de pire que la façon dont j'allais mourir. Mais ils trouveront pour vous, pour elle et votre bande de voyous. Dites-le lui, Eléa. Dites-lui qu'elle n'a pas à s'en faire pour moi. Nous allons tous être massacrés ensemble. Dites-le lui. Dites-le lui. Vicente a une bouteille de mezcal qu'il cache au fond de ses sacoches. Vous en voulez un peu? Non, merci. Je ne prendrai pas ça trop au tragique. Il a eu une sale épreuve et il n'a plus toute sa tête. Non, vous vous trompez. Il y avait longtemps qu'il avait envie de dire tout ça. Et il a fini par le dire. Et c'est vrai? Pour lui, c'est vrai. Et en ce qui vous concerne? Connaissez-vous quelqu'un qui soit entièrement loyal dans la vie? Oui, il y en a plus que vous ne pensez. Oui? Et où sont-ils? Je ne sais pas, je n'ai jamais fréquenté ces milieux, mais certains les fréquentent. Lui, par exemple. Qu'est-ce que vous étiez avant tout ça? Pasteur? Non, chérie. Il vous vole. Est-ce que cela vous étonne? Non. Quand prendrez-vous le vôtre? Ou peut-être l'avez-vous déjà pris? Avant peu, ça n'appartiendra plus à personne. Pourquoi dites-vous ça? On a de la compagnie, là-haut dans les collines. Est-ce que les autres le savent? Ils ne savent rien du tout, ils ne pensent qu'à s'enrichir avant de mourir. Croyez-vous pouvoir les ramener? Je suivrai le soleil. Alors filez, Hooker, filez dès ce soir. Je ferai un feu et je tournerai autour. Ça les trompera assez longtemps pour vous donner une bonne avance. Et Fuller? Vous l'emmènerez avec vous. Je croyais que vous vous haïssiez. Moi, je ne le hais pas. Lui, fait de gros efforts pour vous haïr. Je sais. Vous l'avez mené trop loin. Vous l'avez mené au-delà de lui-même. Vous en avez fait un lâche et il vous en veut pour ça. Ça arriverait à n'importe quel homme, avec une femme comme vous. N'importe quel homme? Enfin, presque. Il y a de l'or dans cette baraque. Chaque gramme qui a été extrait de la mine. C'est à vous. Je vous montrerai où c'est. Je vous le donnerai. Mais vous emmènerez Fuller. Je vais le leur dire. Prenons-le! Amigo, prenons-le!
Qui offre cette fête? C'est une petite fête impromptue. Ils viennent d'hériter une fortune. De foulère. J'espère qu'ils se contenteront des chapeaux. Un gamas rico, amigo. Para que sepan los indios que estamos aquí. Están en las colinas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et quand vos petits jeux seront finis, vous n'aurez plus qu'à aller là-haut pour les aider à tendre leurs arcs. Ils sont derrière nous, les Indiens. Comment le sais-tu? Fuller. Il les a vus? Oh, il est fou, ravagé, il sait plus ce qu'il dit. Oui, mais pas moi. T'as vu les Indiens? J'ai vu leur fumée. Alors, on ferait mieux de filer d'ici. Qu'est-ce qu'on attend? Elle a une idée. Oui? Laquelle? Qu'est-ce que c'est que son idée? Vous voulez leur dire? Je pensais qu'il vaudrait mieux que vous partiez à la nuit. Je resterai et je ferai du feu pour qu'ils croient que vous êtes toujours là. Ça vous donnera pas mal de temps, une bonne avance. Ella quiere quedarse sola para que los indios crean que estamos aquí. Je n'y comprends rien, je n'y comprends rien du tout. Qu'est-ce que ça cache? Où veut-on en venir? Nous emmènerons Fuller. Il peut monter? S'il ne peut pas, nous le porterons. Nous le porterons? Sur une civière. Tu es cinglé! On ne peut pas transporter un homme sur une civière dans ce pays. Demande-lui! Explique-lui et demande-lui s'il transporterait Fuller. Est-ce que tu le transporterais? Peut-être toi et Vicente. Et puis, pourquoi Fuller ne reste-t-il pas? Il a risqué sa vie pour une tonne d'or, moi pas. Et je ne vais pas perdre la mienne pour ce type. Tu la perdras sans lui, si personne ne reste. Fuller ne peut pas rester, hein. Il a affaire à Puerto Miguel et personne d'autre n'a y aller. Alors, hein. Une minute, t'énerve pas. Il veut seulement dire que si quelqu'un reste et tourne autour du feu, on croira que nous sommes toujours ici. Et Fuller ne peut pas bouger. Vous n'avez pas le choix, parce qu'il ne vous reste qu'une seule chance. Où diable veut-elle en venir? À montrer que l'un de nous est un héros ou un fou. Les deux, peut-être. Après tout, c'est de sa peau à elle qu'il s'agit. Moi, je m'occupe que de la mienne. Tu crois que son idée est bonne? C'est une idée, en tout cas. Tu la laisserais rester? Pourquoi lui as-tu pas demandé? Demander quoi? Si toi, tu pouvais rester. Petit speech m'a plu. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et dramatique en diable. Vous vous sacrifiez pour sauver l'homme que vous aimiez autrefois. Je ne pensais pas que la vérité pouvait à ce point vous émouvoir. Quelle vérité? Ce que Fuller vous a dit, ce qu'il a dit que vous étiez. Ne pouvant atteindre votre cœur, il s'en est pris à votre fierté. Alors vous faites le coup du sacrifice. C'est pas mal joué. C'est vraiment peu de choses. Quelques heures peuvent vous donner toute une nuit d'avance. N'en faites pas plus que ça n'est vraiment. Dieu m'en garde. Je dis seulement les choses telles qu'elles sont. Que voulez-vous dire par là? Que c'est de la blague, du bidon, une ruse. Que vous pensez que personne ne vous laisserait rester. Que vous n'avez jamais eu la moindre intention de rester. Vous savez qu'il n'existe pas cinq hommes capables de partir et vous laisser ici comme à part. Vous le pensez vraiment? Tout autant que vous. Mais la ruse est bonne.
et elle a pris. Sur qui? Sur moi. Parce que je reste avec vous. Pourquoi? Parce que je suis un idiot. Pas pour moi. Qu'est-ce que je suis pour vous? Ma foi, peut-être vaudrait-il mieux que je vous le précise. Pas la peine. C'est facile à dire parce que vous ne m'êtes rien. Vous ne m'êtes rien du tout. Absolument rien. Celui-là, il comprend. Il ne peut rien y faire. Je sais maintenant que si j'avais compris, ça aurait été la même chose pour moi. Ils trimeront, ils tueront et ils se feront même tuer pour toi. Comment t'y prends-tu, Léa? Qu'est-ce que tu es? Je vais te préparer pour le départ. Tu vas rester. Et ce type ne le croit pas. Tu vois, il ne croit pas en toi. Il te méprise. Mais il va rester. Léa. Oui. Moi aussi, je resterai. J'en ai pas besoin. Je peux aller à cheval. Je crois que je peux. Bon, essayez celui-là. Débarrassons-nous de ça. D'accord. Ça ira. Je peux tenir en selle. Combien de temps pensez-vous rester? Ne vous occupez pas de moi. Voilà le plan. Si sa jambe tient le coup, on peut faire une longue étape cette nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester là à bavarder? Ça me plaît pas tout ça. Alors ne t'en mêle pas. C'est peut-être un peu tard maintenant. C'est trop tard. Monte sur ton cheval. Faites ce qu'il vous dit. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je crois que vous feriez mieux de filer. Vous avez raison. Ça ira. On va camper. En fonçant tête baissée, on n'a déjà pas trop de chance. Et tu emmènes cet infirme qui va ralentir l'allure. Maintenant, tu veux camper. On va se reposer. Il est éreinté. Il se reposera plus tard. Moi, je dis qu'on va continuer. Si tu es bien décidé, vas-y, continue. Seul? Avec une bande d'Indiens à un métrousse? Tu as un sac plein d'or. Achète ta peau avec.
Je vais faire du feu et préparer du café. Pas de feu. Vous croyez qu'ils ne savent pas où nous sommes? Comment vous y êtes arrivés? Et comment vous devrez repartir? C'est pas là votre meilleure chance. La meilleure, c'est prendre vos chevaux et défendre votre peau. Et il faudra vous débarrasser de moi. Y avez-vous songé? Pas du tout. Eux y ont songé. Ce blanc-bec y a songé, n'est-ce pas? Pourquoi ne répondez-vous pas? Pourquoi ne le dites-vous pas? Très bien, je vais vous le dire. Vous chialez comme une poule mouillée. Combien de fois devez-vous mourir pour crever pour de bon? Vous n'avez jamais proposé à personne de partager votre salaire. Pourquoi voulez-vous qu'on partage votre mort avec vous? Personne n'a plus rien à dire. Fils, Vicente, surveillez la crête. Toi, prends de ce côté. Il n'est pas comme ça, au fond. Il n'est pas normal. Aucun de nous ne l'est. Vous aussi. Je vais préparer à manger. Débarrasser de moi. Tu me détestes, n'est-ce pas? Tu ne m'intéresses pas. Je me fiche éperdument de toi. Mais on a une chance de s'en tirer et tu nous la gâches. Je ne la gâcherai plus. Aide-moi à monter à cheval. Où vas-tu aller? Qu'est-ce que ça peut te faire où je vais? Rien. Thank you.
está muerto, mister. ¡Cobardes! ¡Cállen! ¡Asesino! Il est mort. Il a laissé partir Fuller. Non! Pourquoi ne pas l'avoir retenu? J'ai essayé. Montez. Tiens, Hooker. Pourquoi ne nous descendent-ils pas? Bon sang, qu'est-ce qu'ils attendent? Peut-être aiment-ils mieux agir comme ça. Peut-être veulent-ils nous descendre un par un et où ça leur plaît. Ne regardez pas, ça ne sert à rien. Café? Pas de feu. Pas de café. Il y a une petite grotte là-bas. Je pourrais y faire du feu et faire cuire quelque chose pour elle. Tu crois que nous pouvons? Je crois que ça n'a plus d'importance. Vas-y, on va camper.
vous ne pouvez pas dormir non plus. J'ai dormi un peu. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette croix. Je ne savais pas qu'il ne pouvait plus me supporter, qu'il me détestait à ce point. Vous vous trompez peut-être. Peut-être vous aimait-il. Après tout ce qu'il a dit. Après tout ce qu'un homme peut dire, c'est ce qu'il fait qui compte. Comment ça? Je veux dire que, eh bien, c'était un poids mort. Il me retardait, il le savait. Vous lui avez permis de survivre. Il voulait peut-être vous rendre l'appareil. J'aimerais pouvoir m'en souvenir ainsi. Et pouvoir y croire. J'y crois, moi. Allez dormir. Une croix n'est pas une méchante chose à voir. Ça peut être merveilleux. Et chacun porte une croix. C'était la sienne. Allez dormir. Ils se sont regroupés. Sommes-nous près de cette corniche? On va y arriver! C'est étroit, ils pourraient ne pas nous suivre. Allons! Allons! Hé! Fonçons-y!
C'est le coin rêvé pour s'arrêter. Quand ils se risqueront sur cette piste, ils seront les bienvenus. Ils ne peuvent pas contourner les hauteurs? Ça leur prendra beaucoup de temps. Trop de temps, même. C'est la chance que je voyais pour nous. Tu veux dire si on reste, hein? Ou si un seul reste. Ce qui signifie? Emmène-la et file. Je vais leur faire un peu de cirque pendant quelque temps. Combien de temps? Je peux tenir un bon moment. Et moi, non? Tu manies bien les cartes, Fisk, mais avec un fusil, tu raterais le versant de la montagne. Tu veux qu'on fasse un pari, Hooker? Avec quoi? Je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose non plus. Alors, si on pariait notre vie, elle ne vaut pas cher. Fais simplement ce que je t'ai dit. Écoute, tu as donné des ordres à tout le monde, mais tu ne m'en donneras pas. Tu ne me donneras pas d'ordre, Hooker. Ne faites pas ça, ni l'un ni l'autre, je vous le défends. Pourquoi? Vous ne ferez pas ça pour moi. Qui a dit qu'on faisait ça pour vous? C'est une affaire qui ne regarde que nous deux, un pari. Ne l'écoutez pas, je vous en prie. Voilà un bon bout de temps qu'il veut m'amener à parier. Je lui fais rabattre son jeu. D'accord. La plus forte gagne. C'est entendu. Tu ne me fais jamais confiance. On m'a toujours dit coupe les cartes. On ne gagne jamais, mais ça fait durer le plaisir. Vous êtes fous, vous deux. Vous êtes complètement fous. Ne vous mêlez pas de ça, voulez-vous? Pour une fois, il y a une chose qui ne vous regarde pas. Allez, coupe. L'âge avant la beauté. Tu as perdu. Maintenant, file. Tu as parié ta vie, Hooker, et tu gagnes. Alors prends-la, prends ta vie et va-t'en. Et emmène-la avec toi. Voilà la seule chose qui m'ait jamais porté bonheur. Les cartes. Oui, à très bientôt.
Oh. Vous êtes hors de danger. C'est ce que le vieux prêtre appelait le jardin du diable. Fisk, il a triché tout à l'heure. Je ne sais pas comment, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Pour vous. Vous seriez resté comme lui? Oui. Pourquoi? Quelqu'un reste toujours. Partout dans le monde, quelqu'un qui doit faire le boulot. Il a triché. Il vaut quand même un peu mieux que je ne pensais, à tous les points de vue. Il faut que je retourne là-bas, pour lui dire. Il faut que j'y retourne, maintenant. Vous comprenez? Oui. Alors, à bientôt. Je raterai le flanc de la montagne. Regarde-moi ça. Du beau boulot. Il y a une chose que je te reprochais, Hooker. T'en savais tellement. Tu savais toujours tout, toi. Pas tout. Tu avais même raison pour elle. Oui, mais pas pour toi. Tu as triché, vieux. Tu es revenu pour me le dire. C'est ça. Il s'en va, Hooker.
Chaque soir, il s'en va. Et chaque soir, quelqu'un s'en va avec lui. Aujourd'hui, c'est moi. Oui, j'ai triché, c'est vrai. Tu veux bien l'oublier? Non. Fiche le camp, Hooker. Rentre chez toi. Bâtis une maison. Prends un marteau, des clous. Tu sais comment, tu sais tout faire. Léa. Léa. Elle t'attend. Jardin du diable. Si la terre était faite d'or, je crois que les hommes mourraient pour une poignée de poussière.